Ok les potes, bienvenue pour une petite vidéo un peu spéciale, on va dire. En fait, je me suis rappelé un truc, les gars. Mais ça fait un moment que j'aurais dû faire cette vidéo. Il y a déjà genre au moins 2-3 mois. Je vous explique pourquoi. Vous savez, dans Fortnite, depuis le chapitre 5, on a plusieurs modes. Bon, le Battle Royale, nous connaissons. Zéro construction. Construction, ça, on connaît. Mais il y a le mode Festival, le mode Lego et le mode Rocket Racing. Pourquoi j'en parle de ces trois petits modes? Bon, à part le mode Lego qui a rien à voir avec ce qu'on va en parler. Par exemple, les gars, vous savez, j'ai beaucoup rush le mode Rocket Racing, surtout la saison précédente. Dans ce mois-ci, pour l'instant, j'ai hâte qu'ils remettent à jour les trucs qu'on a de nouvelles récompenses, parce que je suis en mode élite, et j'avoue, je galère à monter plus qu'élite. Parce que les joueurs sont trop chauds, et il faut faire des tops, genre tout le temps top 1 ou top 2, pour pouvoir monter en moins un pourcentage. Littéralement, c'est pas une blague. Pour ceux qui jouent à ce mode, vous savez que j'ai raison. Bref, mais du coup, le mode, comme je suis en élite, ça n'a rien à voir, on s'en fout, c'est pas le détail qui nous importe. Je vais vous expliquer un truc. Il y a plusieurs mois, je voulais faire une vidéo parce que d'un truc que je pense que très peu le sait. Mais vous avez les skins qui sont jamais sortis encore en boutique. Et pourquoi j'en parle de ça, les gars? Par exemple, là, actuellement, j'ai le skin que je me suis acheté il y a pas très longtemps. Hein, le nouveau skin qui est sorti il y a quelques jours. Il y a même pas 2 jours maximum. Mais en vrai, il y a des skins un peu, entre guillemets, on va dire secrets. Si on peut dire ça comme ça. Je sais pas s'ils sortiront un jour en boutique. Pour l'instant, on n'a pas d'informations spéciales. J'ai remarqué souvent qu'il y avait beaucoup de monde qui avait ces skins. Et ça, je me suis interrogé, il y a déjà la saison précédente. Ou dans les modes, j'avais remarqué dans le mode festival, surtout. Ou les modes, ou surtout celui-ci, le mode festival. Ou le mode ici, les deux là, y compris celui que je viens de mettre à l'instant. Il y avait des joueurs qui avaient des skins qu'on n'avait pas dans la boutique. Alors au début, je pensais que c'était que des skins que les Américains qui pouvaient avoir. Sauf que des fois, on voit la nationalité des joueurs. Et certains sont même pas de l'anglais. Ils sont portugais ou italiens. Et même certains, c'est des français. Je me suis dit, comment ils font? Et là, je réfléchissais, je cherchais. Et je me suis dit, et si c'est un skin par défaut, les gars? Et j'ai essayé un truc. Et j'ai oublié de faire la vidéo. Je m'en excuse les gars pour tous ceux qui savaient. Peut-être qu'il y en a qui savaient peut-être déjà. Là, bah, j'ai un skin, vous pouvez voir. Je vais changer mon skin, je vais dans le casier. C'est faux de le faire. Les gars, c'est vous allez dans. Du coup, bah, dans tout. Et vous montez tout en haut. Choup. Et vous mettez 0 skin. Donc, évidemment, vous n'aurez pas de skin. Ça aura un skin par défaut. Et quand vous reviendrez, du coup, vous aurez un skin secret. C'est pas un glitch, les gars. C'est un skin qui, du coup, que vous aurez que dans ces modes-là. Soit dans le mode Rocket Racing. Comme là que je mets, par exemple là, ça met un skin féminin secret. Si je le mets dans le mode de festival, ça va mettre du coup un autre skin. Regardez, je vais rechanger pour vous montrer les gars. Si par exemple je mets un skin ici, hop, j'enlève de nouveau le skin. Et ça va remettre un autre. Voilà. C'est ça, je voulais vous montrer il y a 2-3 mois de ça, avant cette saison là d'ailleurs. Et j'ai oublié totalement de faire la vidéo. J'y ai pensé, mais du coup je fais toujours plein de trucs. J'ai fait beaucoup de live pendant... Vous allez voir, j'ai fait quand même pas mal de live. Et après, j'ai zappé la vidéo. Je me suis dit, est-ce que ça va être intéressant à vous? Et je me suis dit, je me suis rappelé, parce que j'ai fait du festival hier, un petit peu sur mon. Pour avancer. Bah, de toute façon, j'ai toute la récompense qui m'intéresse sur le festival. J'en ai fait un petit peu hier. Je crois que c'est hier, j'en ai fait. Et j'ai recroisé un joueur qui avait ce skin-là. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai oublié de faire la vidéo. Juste parce que je vois un mec avoir ce skin-là, les gars. Et bah, je me suis rappelé que j'avais oublié de faire en vidéo. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous savez ou non voilà les skins en question. J'avais totalement oublié de faire en vidéo. Je me suis rappelé qu'hier. Puis là aujourd'hui comme j'ai un petit peu le temps, je me suis dit je vais la faire maintenant avant que j'oublie. Voilà, bref, sur ce j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon lundi. C'est pas une vidéo vraiment intéressante peut-être. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas de skin dans votre casier, ou si vous voulez avoir des skins un peu entre guillemets secrets, exclusifs, je sais pas si un jour sortir en boutique. Il y en a plein comme ça. Il y en a plusieurs, la skin féminin et masculin. Et ça, c'est parce que là, c'est le mode festival. Par exemple, si je retourne dans le mode Rocket Racing, du tout. Hop. Si je change le skin, parce que tu vois, c'est des skins que dans cette mode-là. Hein. Dans Battle Royale, ça marchera pas. Là, pardon, je mets ce skin-là. Hop, je renlève de nouveau. Et ça va mettre un autre skin. Voilà. Là, ça met celui-là parce que j'ai mis celui-ci. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, les gars. Par exemple, je mets Batman. Hop, j'enlève. Et ça va remettre, ça, du coup, bah, le même. Même, pas grave. Je voulais que ça mette un autre skin, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. En gros, ça met un skin par défaut, un skin entre guillemets secret, si on peut dire secret.
Donc voilà. Bref, sur ce, bah, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. Et pour ce live, je vous dis à tout à l'heure. Parce que du coup, je vais live juste après. Je me suis dit que je vais le faire en vidéo rapido pour vous montrer la petite astuce. Voilà, il y a vraiment que dans les modes. Là, ça marche dans ce mode-là aussi. Hein. Donc, vous faites pareil, je vous montre vite fait avant d'arrêter la vidéo. Vous mettez un skin de votre casier, n'importe quel. Par exemple, Harley Quinn, hop, vous le mettez. Ensuite, vous mettez 0 skin, hop. Vous rentrez dans votre salon et ça vous met un. Bon, ça met toujours celui-ci pour ma part, mais ça peut mettre un autre. Hein, parce que là, c'est pour moi. Ça met toujours celui-là, apparemment. Mais c'est vraiment aléatoire. C'est des skins Bambi, on va dire. Mais version améliorée. Version festival. On voit bien, c'est ils ont deux styles différents. Et si vous allez en mode roquette, du coup, vous avez un mode, du coup, le skin est un peu plus habillé en mode. Voilà, pilote de voiture, quoi, de course. Bref, sur ce, moi je vais dire à tout à l'heure pour le live sur Valhalla, les gars. Sur ce, peace!